My name is Sylvain. I'm working as a sound engineer here in the recording studio in Disneyland Paris. Vasile Sirli, music director at Disneyland Paris. My name is Sylvain. I'm working as a sound engineer here in the recording studio in Disneyland Paris. I'm Michael Obst and I'm the senior sound engineer for Disneyland Paris. Donc permettez-moi de vous présenter Robert Fiengar, qui est à l'origine, il était engagé en tant que chef d'orchestre. Et c'est le premier chef d'orchestre que le parc a eu pour le Grand Marching Band. Vous êtes trop jeune pour savoir, mais il y a 25 ans, on avait un Grand Marching Band dans le parc. À l'américaine, parce que, pour ne pas oublier, on est un parc d'origine américaine. Comme facture et comme expression. Et donc Robert Fienga choisi pour, sur des bases strictement professionnelles. On s'est vu, j'ai apprécié tout de suite son travail. Et après, ça s'est confirmé pendant des années. Robert Fienga, il est en charge de tout ce qu'il y a musique vivante dans le parc, dans le sens qu'on a dans le parc plusieurs dizaines de musiciens. Il y a 35 musiciens en permanence en ce moment. On a eu plus. Et on aura plus d'ici peu, parce que ça change tout le temps. Et Robert s'en occupe de présence aussi de musiciens qui existent et des artistes qui chantent dans le parc, dans divers spectacles, voire Playhouse Disney, quand on a eu les spectacles, le High School Musical, quand on a eu les Lion King, tous les spectacles qui sont avec des chanteurs live ou des musiciens live sur scène. Robert, il a cette tâche-là de s'en occuper d'eux directement. So these are the Macs for Studio A and B. This is the server, the hard drive. And backups go to disk or to tape eventually? Both. Both, okay. Both. We've got a backup on hard drive and we've got the LTO. That's the old equipment. Yes. In these times, did you cut the tape with and glue them? Yeah. Here we spliced. Okay, I see. Hi, I'm Michael Obst and I'm the senior sound engineer for Disneyland Paris. Michael Obst, il est multi-sound engineer. Il faut savoir que à fur et à mesure, ou soit dès le départ, il y a des musiciens, des ingénieurs du son qui sont spécialisés, qui devient spécialiste en musique symphonique, spécialiste en jazz, spécialiste en rock, spécialiste en quelque chose, ou des musiciens pour le live, ou les musiciens pour le studio. Parce qu'il y a une différence entre le musicien de la salle, le zénith de quelque part, ou la Bercy de sais pas où, et le studio d'enregistrement. Il y a, sont des spécificités de métier.
Et donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est exactement comme pour Robert Fienga ou pour les autres, moi aussi j'étais embauché dans ce critère-là, d'avoir une sorte de multifonction, d'avoir une vue comme dans les films Disney. À part Michael Hobbs, qui est senior sound engineer, il est encore deux ingénieurs du son. On fonctionne avec trois ingénieurs du son ici, qui peuvent être interchangeables, mais dans le très très beau sens du terme. Parce que Michael pourrait travailler maintenant sur un projet, et tout d'un coup, ce soir, il a une urgence. Et pour cela, il ne pouvait pas continuer ce qu'il travaille en ce moment. C'est notre collègue qui va venir, qui va reprendre le système informatique qui existe, il va continuer le travail, ou à l'envers. Ça existe, ça. Des fois, il m'est arrivé dans l'histoire de presque 25 ans de travail ici, d'arriver surtout dans les années 90, au début, quand on faisait quand on ouvrait le parc, quand on a travaillé pour l'ouverture du parc, il m'est arrivé d'arriver à 9h ici pour commencer le travail. À 10h, j'étais déjà en route vers l'aéroport parce que ce n'était pas prévu d'aller quelque part pour soit enregistrer, soit soigner un enregistrement. Donc, on est toujours prêt pour faire les changements le plus vite possible et d'avoir une réponse à une situation critique. Il y a des milliers de gens qui sont dans le parc qui doivent être annoncés que tel endroit, c'est pas, c'est pas quoi. Donc, toutes ces annonces qui existent dans le parc, qu'ils nous disent bonjour d'ici 15 minutes ou évacuer ce moment-là parce qu'il y a une fuite d'eau quelque part, ça peut arriver n'importe où. Donc, on fait ici le même ingénieur du son qui est capable d'enregistrer un orchestre de 140 personnes, il va enregistrer avec une personne qui est même le manager de l'attraction parce qu'il doit dire très vite quelque chose. Donc, je vous précise ça pour vous dire que toute cette magie, elle est faite sur la passion et la disponibilité. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas faire ce type de métier. On n'a pas toujours Barbara Streisand en studio. Des fois, il y a aussi des moins connus. Et il faut avoir la même patience avec eux, surtout avec eux. Parce que notre rôle, c'est aussi de stimuler les jeunes qui arrivent, mais aussi de ne pas jeter les vieux. Parce que les vieux, c'est la tradition, c'est la grande force. Maintenant, de savoir que les productions qu'on fait chez nous, elles peuvent se faire ici, dans ce studio-là, de l'autre côté de la vitre. Vous voyez, il y a un petit studio dans lequel on peut mettre quelques musiciens, jusqu'à une vingtaine, s'il y a une chorale, mais pas des instrumentistes. Les instrumentistes ont besoin de plus d'espace pour enregistrer. Le son, il a besoin d'un volume d'air. On ne peut pas enregistrer dans n'importe quel endroit. Il n'a pas le même résultat. Ce n'est pas le même résultat. Donc, on fait des productions qu'on les fait à l'extérieur aussi. On fait des productions qu'on les fait soit à Londres, soit à Paris, soit à Budapest, soit à Prague. Ça dépend. Ça dépend où on a fait à Los Angeles. Thank you.
culture française, elle a besoin d'une expression qui est spécifique pour la culture française. Et au-delà, c'est la culture européenne, qui est un petit peu différente par rapport à la culture populaire américaine ou la culture populaire japonaise, où je parle seulement des parcs à thème, où ils sont placés, en Californie, Floride, à Tokyo, en Hong Kong et bientôt à Shanghai. Donc, cette spécificité vient aussi par le studio d'enregistrement. La musique, le son, le sound en général, les annonces, les voix, etc., donnent une couleur du lieu. C'est évident que c'est une sorte de décor sonore qui se construit grâce au studio. Grande électronique, donc tout est la haute technologie de système. Si vous regardez un petit peu par la fenêtre là-bas, derrière vous, vous voyez quelques monstres. Ce sont des grosses machines qui sont les machines anciennes d'il y a 25 ans. Donc on faisait un enregistrement analogique sur bande. Et quand on venait des enregistrements d'ailleurs, la douane nous chopait très vite. On disait, mais qu'est-ce que vous avez dans cette caisse? On avait des rouleaux, on venait 20 minutes sur un rouleau comme ça. Et alors là, c'était importation, donc on passait à la douane. Maintenant, vous avez arrivé avec une clé, petite clé USB, et vous passez avec, c'est pas 32 gigas. Il n'y a personne qui sait que vous avez un trésor dans la poche. Donc c'est à peu près ça. D'ailleurs, ce n'est pas bien pour les comptables, mais c'est pour cela que vous avez travaillé. Avant, on avait un poids, on arrivait avec tous les pizzas, on disait, ça c'est une bande, ça c'est par exemple. Buffalo Bills Wild West Show. Voilà. Ça fait quelques kilos, croyez-moi. C'était comme ça. Donc, on a les machines fonctionnent toujours, elles sont là. Et aussi, il faut savoir que la diversité de notre entreprise, j'ai cassé les mains, de notre entreprise fait que on travaille sur des formats différents. Comme vous le savez, des fois Samsung ne marche pas avec iPhone et le vice versa. Donc c'était pire dans la musique. Donc il y avait des systèmes qui ne marchaient pas, un système avec un tel, quand on se cherchait. Position idéale d'écoute existe une seule, maximum trois dans un studio. Peut-être que c'est là, mais dès que vous êtes là, vous avez un autre son qu'ici. Peut-être que là, mais peut-être que vous êtes là un petit peu. Donc, pour moi, là, mes amis savent ça, que pour moi, la position idéale n'existe pas en principe. Parce qu'en général, on n'écoute pas dans une. Je connais peu de gens, il y a. Mais je connais peu de gens qui arrivent à la maison, chérie, tu coupes tout, maintenant je m'installe, j'écoute la musique exactement au centre, sans rendre, et j'écoute pendant des heures et des heures. Il y a peu de gens qui font ça. Plus que ça, vous voyez toujours les enfants et les jeunes qui se changent un petit peu, prennent l'oreille de gauche, prennent l'oreille de droite, et tu casses la tête pour faire une belle stéréo, et finalement chacun écoute une oreillette, soit à droite, soit à gauche. Pour vous dire que, on se force toujours d'avoir le plus propre son dans les règles de l'art. Autrement dit, de faire, si quelqu'un y arrive, pour dire, on va faire le stéréo traditionnel, le blindé. Sauf que c'est une question de goût. Le goût de Michael, il est différent du mien, et le Robert, il est différent de Michael. Donc chacun va avoir son goût. Donc il faut se plier à ce goût-là. Ça, c'est les critères subjectifs. Il a l'objectivité de faire le stéréo le maximum possible, mieux, mais le goût, c'est subjectif. Mais il y a la chose objective qui est la sortie dans le parc. La sortie dans le parc, vous avez, soit vous-même, vous avez mangé une glace, vous avez taché votre chemise et vous essayez de la jouer pendant que la musique roule, donc vous loupez quelque chose, donc vous n'êtes pas aussi concentré que dans le lieu. En même temps, si vous faites un stéréo, très très bel stéréo dans le parc, il y a quelques
une ligne qui va écouter ça, mais pas tout le monde en stéréo. On le fait en stéréo parce que c'est drôle des fois de voir un son qui se promène autour, ça fait du bien. On est toujours ravis de faire ça, mais il y a des spectacles dans lesquels tout ce qu'on a fait très bien dans le parc, dans le studio en stéréo, on réduit en mono. Et pas seulement réduit en mono, mais aussi on entasse les fréquences. Parce que peut-être le haut-parleur de rue, à cause du beau temps qu'il fait en Marne-la-Vallée, à cause de tout ce que vous voulez, à cause du vieillissement de haut-parleur, qui est absolument normal, un haut-parleur c'est fait en général de carton et de matériel qui vibre. Donc c'est pour que ça bouge. Si c'est un haut-parleur ne bouge pas, ça veut dire qu'il ne marche pas. Donc quand il vibre, donc dès qu'il vibre, il a une mécanique, donc après un temps, il y a une usure. Donc peut-être à cause de cette usure, la qualité n'est pas très bonne. Donc soit tu n'as pas des graves, soit tu n'as pas des aigus, trop d'aigus ou trop de graves. Donc on les entasse un petit peu pour que ça entre dans la gamme de fréquences. Stéréo que Michael vient avec les autres messieurs, ils arrivent avec le système son dans le parc, on l'installe devant et on mixe devant. C'est comme c'était fait le Disney Dreams, tout ça, c'est fait avec l'installation sur le parc. Dès qu'il y a un spectacle qui est de type audiovisuel sur le château qui est illuminé, tu fais le Disney Dreams, soit sur une scène, sur le Castle Stage, sur le Chaparral, ça, tu arrives là-bas et tu fais un autre mix spécialement pour cela, le maximum possible. Il y a toujours dans tout endroit, les Zéniths, les Bercy, où vous voulez, la meilleure salle du monde, il y a un compromis à faire. Donc il faut toujours trouver une modalité que ça soit le plus agréable pour les autres. It's Fanfan, I prefer, and I'm show director in this salon de Paris. Qui fait partie d'un ensemble? À un moment donné, ça commence ça. Donc, il y a toute une arrivée, et à un moment donné, ça, c'est comme une sorte de showstop. Ici, c'est le point central de la chanson. Avec Goofy, qui est le maître de cérémonie. Et qui coupe, il y a des ciseaux qui coupent. Couleur comédie musicale. On discute de topiari. Topiari sont les petits statues. Pardon, excusez-moi, c'est bien sûr que vous connaissez.
costumes sont magnifiques, absolument magnifiques, et tous les accessoires, vous verrez, ça c'est un vrai travail. L'idée, c'est aussi de faire cette célébration, que ça se passe avec moins de blabla. On vient, on déverse dans la rue et on se retire, comme c'était l'année passée, quand on n'avançait pas en grand compte, on arrive comme une sorte d'invasion et on revient. C'est comme une sorte de surprise. Il y a la musique de Spring Fever qui va arriver pour retirer toute la vague, ce déversement de couleurs. Il va se retirer après sur Spring Fever.